Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends tard aujourd'hui, il est presque midi. On rentre de l'école avec les garçons. Ce matin, j'ai pas arrêté, j'ai pas pris le temps de vous prendre. J'ai monté le vlog, tout ça, j'ai fait plein de choses. Je vais aller faire les courses, mais la puce était fatiguée, je l'ai recouchée. Donc finalement, les courses, ce sera plus tard. Hop. Et heureusement, il reste des choses à manger à la maison. Donc, c'est pas grave si je les ai pas fait ce matin, comme j'ai mon habitude de les faire le matin. Et parce qu'en fait, l'après-midi, Andrea fait la sieste. Donc, je ne veux pas lui faire louper sa sieste. Mais là, elle aura fait la sieste le matin. Donc, je pense que on ira plutôt faire les courses cet après-midi. Pourquoi tu tiens pas debout? J'arrive. Ah, je sais pourquoi ça tient pas debout. J'ai enlevé les capuches. Je me dis, ça va être simple, c'est gâché. Patate. Je m'occupe d'eux. Et puis on mange. Maintenant, c'est encore toujours très tard de l'école. Ce qui fait qu'on n'a pas trop de temps pour tout faire. Et retourner à l'école. Pour 13h30. Enfin 20, parce que je dépose Maxence à 20 à l'école et j'arrive vers 30 pour la nourrir. C'était bien ce week-end quand on se reposait en fait. Oui. Bon les enfants, je suis dans la salle de jeu. Oui. Pendant que je vais préparer à manger. Oui. C'est bien. Faut peut-être taper moins fort. Oh, il était mort, il était en feu. Je sais pas si je vous ai montré, on a récupéré une armoire de la grand-mère à JB. Donc on l'a montée, on a rangé tout plein de livres dedans. Salut. Ils sont contents. J'ai mis un petit chauffage à point parce que le radiateur ne chauffe pas assez. Il fait quand même froid ici, donc ils seront bien. Mais franchement, ça rentre pile poil, quoi. Salut. Salut, maman d'amour. Salut, mon Toby d'amour. Et les abonnés? On dit salut aux abonnés? Salut les abonnés, ils sont ici. Voilà. Salut les abonnés. Il fait rire, il dit salut à la commode. À Leclerc, je vais faire mes courses avec la petite fille, qui a super bien dormi ce matin. Tu fais coucou? Ah non! Oui, le beau bonnet! Hop, c'est moi, il va se passer. Donc j'ai déposé les garçons, je suis direct de course. Comme ça, ça ne prendra pas longtemps et j'ai l'impression que j'ai pour une fois la chance de faire des petites courses. Et puis après, la petite fille là. Maman! Oui! Puis après, on va faire la sieste. Bonne rentrée des courses. Maman, oui. Doudou. Je viens chercher. Vous avez vu comment elle s'est installée dans le canapé? Alors où est-ce qu'elle l'a posé, son doudou? Les courses sont faites, ça va. Il est 15h, on vient de rentrer à la maison. Petite fille, trop contente de retrouver son doudou. Alors, elle n'est pas fatiguée, hein, vu qu'elle a dormi beaucoup dans la matinée. Donc, tiens. Elle se pose tranquillement sur le canapé. Elle va regarder un petit peu des dessins animés. Je voulais scanner mes courses. Je ne peux pas, ma machine ne marche pas. Ah bah, il y a JV qui vient de rentrer. Ouais, il y a papa, la puce. Elle a dormi toute la matinée. Mais toute la matinée. Oh bah, c'est trop bien, il y a JV qui est rentré. Bon, je disais, je peux pas scanner. J'ai l'appareil qui est en train de faire une mise à jour de je sais pas quoi. Donc, il faut que j'attende pour pouvoir ranger mes courses, de pouvoir scanner. Donc ce sera après. Ah, c'est trop bien, il est rentré tôt. Il est 15h. Bah pourquoi tu ne lui as pas ouvert? D'habitude tu lui ouvres. Elle va l'ouvrir. Bon, on est rentré de l'école. On est passé pour déposer les bouteilles de verre dans les bacs de récupération des verres. Oui, je me suis rendu compte que pour ouvrir, il fallait la clé. Vas-y. Hey. Ça qui est pratique avec les clés. Je sais même pas comment ça s'appelle. Tu te rapproches, ça s'ouvre. Coucou. On va, ça ferme. Hey, moi, Toby. Ils sont tout contents, ils ont vu que papa était rentré. Allez, mon bonhomme. Regardez. Coucou. Caca. Ah bon, on dit ça? Non. Bah oui, on dit pas ça. Non. T'as un grand garçon. Oui, oui, oui. Arrête de te rapprocher si près, on te voit pas. Là, on te voit. Oh, un gros sac. C'est un gros sac énorme. Ouais, allez. Donc maintenant, ça va être goûter, ça va être devoir, ça va être rythme habituel de l'école, en fait. Ça, c'est bizarre.
finalement les vacances ont duré plus longtemps avec l'histoire de l'enterrement et on avait oublié tout ça. T'as récité ta poésie? Oui. Ah. Et c'est bien. Il y a 8 lignes à apprendre. Tu passes de 3 lignes à 8 lignes. Oui. Bah dis donc, c'est rapide ça. Bon, on se retrouve pour faire le repas. Ce soir, j'avais prévu cordon bleu. Enfin, c'est les enfants qui avaient choisi avec des petits pois carottes. Sauf que, bah, on est 5 et il y en a que 2. Donc moi déjà, je vais pas en manger. Et puis les garçons et la puce, ils se partageront un cordon bleu tous les 3, ce sera très bien. De toute façon, en général, le soir, ils ne mangent pas non plus des masses. La puce, elle est dans sa chambre. Coucou! Regardez. C'est bien la puce. Je vais montrer comment faire des galipettes tout à l'heure. Et donc elle essaye de les faire, mais c'est drôle. Elle fait pas sa galipette comme ça, elle tombe sur le côté. Elle fait comme ça, puis après, boum, c'est trop drôle. Et voilà, j'en étais sûre. Qu'est-ce que tu fais? Elle est déjà en train de préparer ses affaires pour se brosser les dents, cette puce-là. Regardez. Elle met le dentifrice toute seule. Elle va se laver les dents. Regardez papa comment il l'a coiffé. Petit champignon sur la tête, et elle a une mèche super longue. Elle lui retombe sur le côté. Enfin, pff, ça lui fait une de ses coiffes. Tu t'es vu, dis donc? Hein? Bon, le repas s'est bien passé. Ils ont tous très bien mangé. Ça, c'est cool. Non, mais on n'en rajoute pas la puce. Non, mais je vous jure, celle-là. Ah, en plus, elle a pris celui de Maxence. Qui est à partir de 6 ans. Donc, il y a des trucs en plus, quoi, dedans, forcément. Sinon, il n'y aurait pas de distinction de dentifrice. Pas possible. Oui, je vais te mouiller ça. Vas-y. Voilà. Elle fait tout toute seule. T'es une grande fille. Maman elle est fière de toi, ma belle. C'est super. Après on va faire dodo. Papa. Nat, faut se rincer la bouche. Qu'est-ce que t'as compris? Ah. Je lui dis rincer la bouche, elle fait quoi? Elle s'essuie la bouche. Oh, il y a le truc d'Amandine là. Elle a mis sa brosse à dents. Par terre. C'est infernal. Bon, bah, je vais aller la chercher pour qu'elle se rince la bouche, hein, quand même. Parce que c'est obligé, lui, à du dentifrice plein la bouche. Et elle est tellement pressée d'aller jouer avec son père. Ils sont trop contents qu'il soit là. Demain. Désolé, il fait nuit. Oui, donc j'ai dit, demain, ils ne le verront pas. Il travaille très tard. Il rentre très tard. Donc il profite. Tu viens, la puce? Ah ben voilà. Oui. Oh, elle est tombée en place à la figure. Elle a rien. Elle a rien. Elle a rien. C'est vite passé. Hein? Elle est où là? Oh, j'avais oublié. Elle est où là? C'est quoi qu'on veut faire? Pourquoi à votre avis elle a demandé le câlin? You. Elle est où? Si. Vas-y. Tada! Tu fais quoi là? Tu veux faire quoi? Yeah. C'est allumé, on laisse allumer. Elle est contente, elle adore. Allumer, éteint dans toutes les pièces. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Attends. Pardon. Oui. On a oublié Doudou. Va aller le chercher? Oui. Va aller le chercher? Regardez là, si je la tiens pas, elle tombe. Maman. Oui. Allez, viens, on va chercher Doudou. Au revoir. Bye bye. À demain. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 15 et pourtant on est le 14 aujourd'hui. T'as dû appuyer un petit peu plus fort que ce qu'il faut et ça a changé 2 jours en même temps. Maman, elle remet la bonne date? Bah, j'ai mis mardi 15 pour dire qu'on est demain. Si tu veux, oui. T'as déjà la date de demain. Tu fais quoi, là? Je remets les trucs ici. Mais non, ça se met comme ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as réappuyé encore. Regarde, on est passé au 16. Tu veux mettre la date d'aujourd'hui ou la date de demain? La date d'aujourd'hui. Non, de demain.
Tada ! Sauf que le jour n'est pas bon. Demain, on est mardi. On est mardi. Je peux mettre ? Mardi. Non, c'est bon, regarde. C'est bon ? Oui. T'es content ? Ouais. On va penser à prendre le livre aussi pour le rendre à l'école ? Oui. Je vais le prendre et puis je le mettrai dans ton cartable. Il est là-bas sur ton bureau. Je le vois. Oui, je l'ai vraiment vu. On peut le regarder ? Oui, on peut le lire là ce soir avant de le rendre. Tu t'installes ? Avec maman. C'est le livre où on lit des deux côtés, genre le côté enfant, le côté adulte ? Oui, eh ben on va faire ça. En gros, et là c'est adulte au petit. D'accord. La une cerise c'est pour les enfants et la deux cerises c'est pour la maman. D'accord, bon, on va faire ça. Oui, ou le papa. Ou la nounou. Ou la nounou. La grande personne qui lit avec toi. Ou mamie, papy, ou... Je sais pas qui. Voilà,